Oui, c'est lourd. Bon, c'est bien vrai, on est revenu par reprendre. Ce n'est qu'hier qu'on a fait une séance collective. Hein. Voilà, donc la séance collective était basée sur l'endurance capacité pour remettre les muscles à jour parce que ça faisait au moins 11 jours qu'on ne s'entraînait pas. Voilà, donc je peux dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait de la séance parce qu'on a travaillé la transition. Voilà, et ce matin, nous promettons d'aller chercher la victoire. C'est bien vrai qu'on a traversé des périodes difficiles et tout ça là. Mais le plus important, c'est de terminer en beauté. Voilà, donc je suis satisfait aussi du contenu de ce qu'ils ont eu à produire. Et malgré qu'il y ait eu une certaine absence au moins d'une dizaine de jours, et je vois que déjà tout ce qu'on a eu à travailler est toujours là. Et donc c'est à nous d'épuiser au niveau des ressources mentales pour aller chercher ces résultats. Donc à ce niveau, on n'a pas à faire qu'à aller chercher les trois premiers résultats politiques au grand bonheur du club. Bon, c'est bien vrai, Kaimbe était sorti incertain. Voilà, il y a Charles et dehors du dernier match dans les vestiaires qui était malade, qui est revenu, qui est opérationnel. Donc je pense qu'on a l'effectif. Voilà, à partir de ce moment, je n'ai que deux joueurs qui ne sont pas sortis depuis hier et aujourd'hui. Vous voyez que c'est un peu du commando qu'on est en train de faire. Si juste après le match de la SEC, il faut faire trois séances en deux semaines pour aller jouer un match de capital, comme ça, c'est un peu difficile. Voilà, donc quand cela ne tient, c'est à nous réellement de trouver les ressources mentales, voilà, pour aller chercher ce résultat. Voilà, donc ceux qui sont là doivent être capables aussi de mouiller le maillot, voilà, pour donner ce qu'on a. Et moi déjà, il y a déjà une perte, voilà, il y a déjà une perte. Et cette perte-là, c'est au niveau de l'aspect technique, voilà, c'est-à-dire les entraîneurs et les joueurs, c'est nous ne profitons pas. Donc on aurait aimé aller encore plus loin, voilà, se faire de la compétition et avoir beaucoup d'expérience. Voilà, mais il y a beaucoup de difficultés liées à ce résultat. Donc je pense que au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est de terminer le match, là, faire le bilan et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et regarder maintenant dans les perspectives comment on doit faire. Voilà, moi je me dis les grands perdants, ce sont les joueurs eux-mêmes. Voilà, donc et plus la compétition allait là, ils allaient produire encore et bouger et puis se montrer au niveau aussi de la planète, se faire voir. Donc je pense qu'à ce niveau, les plus grands perdants, voilà, donc c'est au niveau de l'aspect technique, comme je dis, et plus en particulier les joueurs. Voilà, ils n'ont pas pris cette compétition dans leur conscience, c'est bien vrai, les difficultés sont faites pour les hommes. Donc et quand un homme se dit déjà, et quand il est en difficulté, je ne vais pas émerger, moi je dis que c'est faux. Voilà, et c'est en ce moment que nous devons pouvoir élever la tête et faire face à ça. Donc je ne peux pas rentrer plus dans les détails par rapport au bilan négatif, voilà, qui s'est passé dans la vie du groupe. Donc on va rester serein, rester positif et jouer ce match et à la fin, donc on va tirer les conclusions et voir maintenant la suite aussi. Personnellement, je suis venu à RDC, c'est par rapport à l'engouement et la fièvre aussi qui se retrouve au niveau des clubs du Congo. Particulièrement, c'est un club, c'est pas simple, hein. Voilà, au niveau des supporters, moi je pense que c'est ça qui doit nous pousser aussi à aller chercher les résultats. C'est tout à fait normal, et ils ne vont pas se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, et ils vont se poser des questions pour les résultats. Donc, à ce niveau, c'est qu'on va leur demander d'apaiser leur cœur parce que. C'est bien vrai qu'aujourd'hui on a trébuché, voilà, donc on n'est pas tombé, donc on doit se relever, ça a réellement de nous supporter pour qu'on puisse voir aussi aller chercher les résultats escomptés. Donc à ce niveau, en tout cas on les promet d'aller réellement nous racheter pour les 5 matchs passés. Voilà, on va aller se battre, voilà, avec notre dernière énergie pour chercher les trois au grand bonheur de cette famille. Donc c'est pas facile, voilà, pour eux, donc il faut dire aussi que c'est encore plus dur pour nous. Voilà, c'est encore plus dur pour nous, donc c'est pas actuellement, on doit se morfondre, voilà, donc c'est maintenant qu'on doit être fort, voilà, c'est maintenant qu'on doit être fort pour ne pas tout mettre dans l'eau, voilà, tout basculer aussi dans une situation où nous pouvons réellement exploiter, voilà, les côtés politiques pour pouvoir les exploiter dans la vie.